bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve parce qu'on va faire ensemble le miroir de poche de chez Miemi. Donc c'est un miroir de poche, voilà. Donc on va faire un côté, je ferai l'autre hors caméra. Moi je vais faire avec les perles comme ceci. Dans les sachets, je ne vais pas m'embêter. Donc, bien sûr, il me vient de chez Naomi. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Donc, bon, vous avez un kit, comme d'habitude. Voilà. Et donc, là, alors, je vais essayer de vous caler un peu. Qu'on y voie un peu tous. Voilà. Donc, on va faire un côté ensemble. Et après, je viendrai faire l'autre hors caméra. Donc, on va commencer par le numéro 1. Celui-là, le 1. Il n'y a pas de 2 là, donc peut-être que je le passerai un peu en accéléré après, suivant comment ça se passe, on verra. Donc j'aime beaucoup ces blancs là comme ça en AB, ils sont magnifiques. Peut-être mettre un peu de lumière, vous y verrez peut-être mieux. Donc je vais prendre, alors moi je l'enlève, mais on n'est pas obligé. Donc on vient directement poser. Ils sont trop beaux. Les AB, c'est mes préférés. Peut-être qu'il faudrait que je mette un peu de colle. Et oui, c'est mieux avec la colle. Donc, hop. Ben non, il veut pas. Il y a des cols qui sont pas top des fois, mais bon. Il est bien. Non, décidément, il veut pas. Moi, je veux pas de rose dessus. Bon, on va prendre. Je vais. Non, ça arrive tout à l'heure. Je vais essayer avec celui-là. Du coup. Donc là, je remplis. Et voilà, là c'est beaucoup mieux. Donc pour ces perles là, je vous conseille celui-là stylé. Il est mieux. En fait, pour ma part, après, moi je vous dis par rapport à moi ce que je préfère maintenant. Regardez-moi ça comme c'est beau. J'aime beaucoup, beaucoup. Je sais pas, j'espère que vous y voyez, que vous êtes assez près, parce que là je vois pas beaucoup ce que je filme du coup, puisque je vous ai bien baissé et je vois pas trop ce que je filme. C'est magnifique, j'adore ce blanc là. Je crois que c'est mes chouchoutes, les blancs comme ça là. Je sais, je me répète, mais c'est vraiment mes chouchoutes. J'adore. Alors, vous voyez, j'essaye par contre de pas trop appuyer ici, puisqu'il y a la colle, j'ai enlevé le papier, du coup je veux pas coller les abîmer la colle. Et puis là on prend son temps. De toute façon, je pense que je passerai à accélérer un petit peu. Donc là je vais faire le 1 avec vous et après je passe en accéléré, parce que ça va faire beaucoup trop long. Et puis en fait c'est juste coller des perles, donc en accéléré vous verrez. Et comme j'ai pas envie de me dépêcher, puisque moi je pars du principe que ça c'est pour se détendre, du coup ben
On va faire ça tranquillement. J'aime beaucoup. Je m'amuse bien avec ces petits objets. En plus, ça va super vite. Et je trouve que c'est bien pour les personnes qui n'aiment pas, car il y en a beaucoup. Donc, voilà ce que ça donne. C'est trop joli. Je fais l'autre côté en veine blanc et on se retrouve après.
voilà ce que ça donne. C'est juste magnifique, franchement. Donc j'ai fait l'autre côté en fait, hein, hors caméra, mais je les ai fait en même temps. En fait, je faisais une couleur avec vous, après je le retournais hors caméra, je faisais l'autre. Donc voilà ce que ça donne. C'est trop joli. Franchement, c'est trop beau. Le seul petit truc, et encore, ça c'est moi, c'est que j'ai trouvé que c'était très long de faire les petits, les toutes petites, voilà, les argentés, les bleus, surtout les bleus, j'ai trouvé que c'était super long. J'espère pas souvent tomber sur des tout petits comme ça. Là, il y en a une qui est de travers, hop, voilà. Donc, mais à part ça, et puis ça c'est vraiment moi en fait, hein, c'est top, voilà. Je n'ai rien à dire. Donc là, ben, ce que je vais faire, c'est que je viendrai le coller comme ça pour le sécuriser. Et puis voilà. Donc c'est très concluant. Franchement, j'adore. C'est de toute beauté. Idéal pour les petits sacs. Idéal pour faire des petits cadeaux aux femmes, même aux petites filles. Il y a plein de modèles. Moi, j'avais choisi celui-là parce que c'était un coup de cœur. Voilà, donc franchement, le miroir et tout, c'est de la bonne qualité, hein. Franchement, c'est pas de la gnognotte. Donc voilà, bah, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et qu'on l'a fait ensemble aussi. Moi, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis bah, à très bientôt. Ah oui, pardon, je vous rappelle que ça vient de chez Miumi. Donc, je vous mets le lien en barre d'infos ainsi que le lien des articles que j'avais reçus de leur part en partenariat, dont le miroir. Je vous rappelle aussi qu'avec le code Joël31, vous avez 15% de réduction sur vos commandes. Voilà, à partir de 55 euros ou 50 euros, je ne sais plus. Les frais de port sont gratuits. Et le code promo ben des 15% en fait, il s'applique, il n'y a pas de minimum d'achat, peu importe la commande. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour. Et vous pouvez vous le réutiliser. Voilà, c'est pas un code unique. Voilà. Donc voilà, ben écoutez, moi je me suis encore amusée. Voilà, j'espère vraiment que ce petit... pas vraiment tuto, mais cette petite réalisation ensemble vous a plu. Moi, je me suis bien amusée. Sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis ben, à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.